Cette semaine, nous allons découvrir les possibilités offertes par la Xbox One pour lire vos propres vidéos et musiques. Et avec tous ces petits trucs et astuces, vous allez trouver la méthode qui vous correspond. On commence par le lecteur de la Xbox One qui est capable de lire Blu-ray, DVD et CD audio. Pour en profiter, il faut avant tout télécharger les applications adéquates, comme le lecteur Blu-ray ou le lecteur CD audio sur le marché. Dans de rares cas, il se peut que vous rencontriez des problèmes de lecture avec les Blu-ray, il suffit alors de désactiver l'option BD Live dans les paramètres Blu-ray. Grâce à ça, plus de soucis de lecture. Si vous êtes plutôt du genre dématérialisé, téléchargez le lecteur média pour lire les fichiers de votre stockage externe branché en USB. Et avec la puissance de la Xbox One, vous pouvez ancrer le lecteur média et le lecteur audio pour jouer tout en regardant des vidéos ou écouter votre playlist musicale. Vous souhaitez modifier le volume sonore? Un tour dans Affichage et son et dans le mélangeur de son pour choisir la balance du volume entre le jeu et l'application ancrée. C'est génial, non? Vous ne voulez pas vous embêter avec de l'USB? Pas de problème, vous pouvez envoyer directement des fichiers depuis votre ordinateur. Mais attention, la fluidité dépendra de la vitesse du réseau. Assurez-vous que votre console et votre PC soient sur le même réseau. Sur votre ordinateur, dans le panneau de configuration, ajoutez un nouveau périphérique et attendez que Windows détecte votre Xbox sous le nom Xbox System OS. Enfin, vérifiez sur votre console que l'option de lecture en diffusion continue est autorisée. Il ne reste plus qu'à ajouter les fichiers que vous voulez diffuser sur votre console en effectuant un clic droit et lire sur Xbox System OS. Vérifiez bien que vos médias s'ouvrent avec Windows Media Player et que votre Xbox One est allumé pour les lire. Voilà, il ne vous reste plus qu'à profiter de votre playlist. Vous voulez suivre l'actualité de la Xbox One? Eh bien dépêchez-vous et abonnez-vous à la chaîne Xbox FR. Et pour recevoir d'anciens contenus, c'est simple, cliquez juste ici. Ou là. On vous attend sur les réseaux sociaux pour découvrir, réagir et partager avec Xbox. Bon jeu et à très vite. Yeah.